En question. Please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. And we will hand the floor to Nunchi's La parole defense va à présent être donnée à la défense de Nguyen Chea, qui pourra interroger l'experte. Je vous en prie, maître. Maître Koppe. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi, Mesdames, Messieurs les juges, chers confrères, Madame Becker. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt vos réponses. J'ai des questions à vous poser, comme vous l'imaginez bien. Première question, il s'agira d'en savoir davantage sur votre livre. Celui-ci a été publié en 1998, pour la deuxième édition en tout cas. J'ai ici cette date de 1998. C'était 1986 pour la première édition. À quel moment avez-vous effectué les dernières recherches primaires, autrement dit, les derniers entretiens avec les personnes ayant connu la période considérée? It would have been in 1990. Ça a dû être en 1994, me semble-t-il. The early 90s. En tout cas, au début des années 90. Would it be possible Question. July 92? Peut-être Is that in your book? En juillet 1992. Yes. If that's Réponse, in the book, yes. Oui, si c'est indiqué dans le livre, alors oui. Did you do any, Question. What exactly did you do between, let's say, that last interview Entre in 92 les derniers entretiens en 92 et la publication du livre en 98, qu'avez-vous fait exactement? Réponse. I was a full-time reporter and editor. J'étais reporter à plein temps. Yes, I did freelance articles. J'ai écrit des articles en tant que pigiste. Yes, freelance articles directly about Cambodia. Sur le Cambodge. Articles and occasional, des articles I comme went pigiste. To Cambodia in 1990. Je suis allé au Cambodge Five, en was my 1995. Previous trip to Cambodia before the book was 1995. Ça a été le dernier voyage au Cambodge avant la publication du livre. Did you do any substantial Question. Research Avez-vous after fait des recherches the second de fond of your book après la publication Cambodia, de la deuxième édition the period of DK. Concernant le Cambodge en général ou plus précisément concernant le Kampuchea démocratique? Réponse. You mean since 1998. Vous voulez dire à compter Correct. De 1998? La défense exacte. Réponse. Secondary, not I have come des recherches back to do secondaires, non, but it's largely j'ai effectué about des entretiens qui portaient surtout and sur that sometimes bled into democratic cette période-là, Cambodia. Et parfois ça débordait sur des questions relevant du Cambodge démocratique. Question. Pourrais-je résumer en disant que l'essentiel des recherches primaires ont été faits avant la première édition qui date de 1986, tandis qu'il y a eu d'autres recherches jusqu'à 92 pour l'édition de 98, est-ce exact? Réponse. The book would be by 1992, yes. Pour ce qui est du livre, les dernières remontaient à 92, effectivement. Would it then, Question. Be fair to say Puis-je that, donc dire que vous n'avez pas effectué de recherche importante depuis 22-23 ans on the topic, concernant le thème du livre?
Major, no. Réponse. But I've kept pas up the secondary. De recherche importante, mais pour ce qui est des sources secondaires, j'ai continué. The reason I'm asking question. You si is, je pose cette question, I have noticed that, c'est parce que j'ai constaté some, qu'il existait certaines sources potentiellement secondaires qui ne sont pas mentionnées dans votre livre, en particulier parce que cela date de l'après 98. Je pense ici à deux livres. L'un est écrit par Stephen Morris, un chercheur américain, des archives soviétiques ont été utilisées dans ce contexte. Ensuite, un livre plus récent d'un journaliste cambodgien écrit avec un journaliste américain, Ted Sambat. Avez-vous lu ces ouvrages? Réponse. I know Sambat's movie, certainly, je connais le film de Sambat qui a été nominé pour une récompense. Je connais bien sûr Stephen Morris depuis longtemps, I can't say that I can remember his et je ne peux book pas me dire que je me souviens de son récent livre. Question. Book is from question. Ce livre date de 99, donc par définition, vous n'aurez pas pu en tenir compte. Les interprètes demandent qu'il soit demandé à l'avocat de parler plus près du micro ou plus fort. Merci. Wasn't your question whether or not I'd read it? Réponse. Vous demandez si j'ai lu cela ou pas? Question de l'avocat hors micro. Avez-vous intégré son livre dans le vôtre? Yes, we're speaking English, that's why nous parlons anglais, c'est pour cela que je parle vite, je vais ralentir. The other thing that I have j'ai constaté autre chose dans votre livre, peut-être que je me trompe, le cas échéant, corrigez-moi. Il y a assez peu de littérature provenant de Chine, littérature secondaire ou encore des sources primaires, qui nous permettraient d'avoir le point de vue chinois sur la période du Congrès démocratique. Est-ce exact? Réponse. I don't think that's accurate. In je fact, ne pense pas que a recent ce soit book by en fait, Andrew Murtha on the Chinese in Democratic Campuchia, which was published in the last year or two, begins with a quote from me, et là, ça commence par des citations de mon propre ouvrage, d'abondantes citations concernant le rôle des Chinois sous le Cambodge démocratique. Question. Je pourrais vous donner un exemple. J'ai compulsé votre livre et je n'ai vu aucune allusion à un rapport secret qui, depuis, est public et qui date de janvier 1979, rédigé par Geng Biao. On y présente la perspective chinoise sur les événements du Kampuchea démocratique. Est-ce exact? That's correct. Réponse exacte. Le président, Maître Coppe, veuillez patienter un instant. Juge Lavergne, la parole est à vous. Maître Coppe, depuis un certain temps, vous posez des questions pour savoir pourquoi l'expert n'a pas pris en compte certains documents. Such as why the expert hasn't taken certain documents into account, or why she didn't mention documents that were published in her book. The problem is that we do not know exactly alors, when si the documents you are referring to were published. If you are referring to a specific document, could you please give us the references sinon, of those documents and the dates on which they were published? Otherwise, we would not be able to ascertain the relevance of your questions. Maître Coppe. I was actually going to refer to that document, j'allais citer ce document dans mes questions suivantes, mais je peux le faire à présent. Il s'agit du document suivant. E3 07 5.2.1 ERN en anglais uniquement 01
001-620. C'est le rapport de Geng Biao sur la situation de la péninsule indochinoise. And it was put on the case file. Ce document a été versé au dossier à la demande de mon équipe de défense. Mais quand a-t-il été publié? But when was it published? Puisque si vous voulez poser une question pour savoir pourquoi il n'est pas mentionné dans le livre de Mme Baker, il faut que nous sachions à quelle date il a été publié. Why it wasn't mentioned in Mrs. Baker's book? We need to know when it was published. Yes, Judge Lavergne, in the opening paragraph of the dans report, le premier it says, paragraphe du rapport, il est dit ce qui suit. Following document was released le document by Taiwanese suivant intelligence a été sources publié par les sources des renseignements de Taïwan et a été publié en janvier 1981 par Issues and Studies de Taipei. C'est donc un document de 1981 auquel Nayan Chanda fait référence dans son livre. Et Stephen Morrison aussi en a fait état. And to be complete, Naya Chanda's book is le livre de Nayan Chanda date de la même année que la première édition de l'ouvrage de Madame Baker. Another question, Ms. Baker, autre question, Madame Baker, dans la foulée des précédentes, from the prosecution suite aux on, questions de l'accusation the use by you of concernant l'emploi que vous avez work, fait Kieran, des travaux scientifiques Chandler, précédents, ceux de Kiernan, Chandler, Heder. I wrote down in my notes dans mes notes, one point you, j'ai you écrit an that que vous aviez répondu the group you shared a lot, que parmi le groupe de chercheurs, vous mettiez beaucoup en commun. Pourriez-vous préciser ce que vous entendiez par là? Well, réponse. If someone was working on an issue si quelqu'un and they travaillait knew someone sur une question et savait documents, que quelqu'un d'autre avait des documents, eh bien, on mettait ça en commun. Question. Would you be able to say that you relied more on vous êtes-vous appuyé davantage sur un chercheur ou sur un autre, ou bien est-ce difficile de le préciser? Well, for instance, Nayan Chanda and I shared a lot because he was a Vietnam scholar and I was a Vietnam reporter and I was a Cambodian reporter. So il travaillait sur le Vietnam, moi j'étais journaliste au Cambodge, donc nous mettions beaucoup en commun. Nayan écrivait sur l'histoire diplomatique. J'ai donc beaucoup partagé avec Nayan. Concernant Ben Kiernan, found the lui documents about the murder a trouvé des documents Caldwell. Sur le meurtre he de Malcolm Caldwell. Il me les a fait parvenir. Quant à Stephen Heder, excellent on translating lui, Khmer il était excellent pour la traduction de documents des Khmer Rouge. David Hawk, il y avait David Hawk. David, he was one of the first David to put the collections dont j'ai parlé of photographs together, and so he would a été un des premiers à rassembler des over. Photos. It depended on the subject. Ça dépendait du thème abordé. Thank you. Question. Going back, to an earlier question from je reviens à une autre question de l'accusation. On your contacts with s'agissant des contacts que vous aviez avec des responsables du département d'État avant votre voyage au Kampuchea démocratique. In that context, have you et ici, spoken to vous êtes-vous entretenu an analyst of avec State Department, un analyste du département d'État, a person with the name of Douglas Pike. Un dénommé Douglas Pike. Réponse. Douglas Pike is much more a Vietnam expert. Pike and est davantage un expert du Vietnam. Je ne lui ai pas parlé avant de me rendre au Cambodge démocratique. Question. Avez-vous utilisé le rapport qu'il avait rédigé pour le Congrès des États-Unis à l'automne 78? L'avez-vous utilisé pour la rédaction de votre propre ouvrage? Réponse. I certainly talked to the members of the je me suis entretenu avec les membres du Congrès qui avaient lu le rapport, mais je n'ai pas parlé avec Douglas Pike. Question, mais je vous demandais si vous aviez utilisé son rapport dans la rédaction de certains chapitres de votre livre. Réponse.
Yes, I read it. Oui, j'ai lu cela. C'est une des sources secondaires. Oui, le rapport de 78 adressé au Congrès. Question. Si je pose ces questions, c'est parce que je n'ai pas retrouvé cela dans les références. Mais soit. Que pouvez-vous dire d'autre sur Douglas Pike, à part le fait que c'était un spécialiste du Vietnam? Réponse. His regular biography, I do not know him well. Je ne le connais pas bien. Then moving on question. To another American Je passe journalist, à un autre journaliste Richard américain, Dutton, Richard Dunman. You spoke about him vous en avez parlé already before. Déjà. Would it be correct if I describe him as a Est-il exact de le décrire In the period 78, as a very experienced, comme ayant été en 78 un journaliste très chevronné. Réponse. He was a very experienced journalist on U.S. foreign policy. Très chevronné concernant la politique extérieure des États-Unis. Question. Je pense qu'il a 96 ans de nos jours. Je crois qu'il est encore en vie. What else would you be able to tell us que pouvez-vous about his dire d'autre sur ses qualités de journaliste? He has he has a good reputation as I wrote in Il the book. His whole his major journalism career was in Washington, covering Il the State Department and making occasional trips with foreign U.S. foreign officials. Et il a parfois été envoyé à l'étranger dans des délégations I've Googled him, and I've seen that he won a George Polk Lifetime Achievement Award in 1993. Je crois qu'il a remporté une victoire en 1993, un prix John Polk. Implies? Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de ce prix, ce qu'il impliquait? It is an award to a reporter C'est un prix who does, qui est décerné à un reporter, dangerous un journaliste assignments. Qui 1978 Kampuchea effectuait to be des missions dangerous. Dangereuses. Et en 78, le Kampuchea démocratique faisait partie des missions dangereuses. Award? Question, est-ce que c'était un prix prestigieux? Yes. Réponse, oui. I would like to Question. Talk a little bit more about Richard Dutton. J'aimerais parler plus avant I'm de not quite Richard sure Dutton. If that was Dutton. Sent to you. I would like to discuss with you an article or rather an op-ed that he wrote texte qu'il a écrit in the New York Times on August 17, 1990. Times Mr. President, that would be me. 307/5.2.16. There's only, I'm afraid, in English. Malheureusement, il n'y a qu'un ERN en anglais. 01/0002091. My first question to you: have you read his op-ed? Première question: avez-vous lu cet article? Yes. Réponse oui. Do you have any general comments on that op-ed he wrote? Question. Avez-vous des commentaires d'ordre général à faire à propos de ce texte? Oh, I disagree with it. Réponse. Je ne suis pas d'accord avec ce qui y figure. Would you be able to explain Question. With what you disagree and why? Pourriez-vous nous dire en quoi consiste votre désaccord et pour quelle raison? By 1990, when it was published, all of the tool slang had been open for years. The evidence was clear, and Dick had retired. He had never gone back to Cambodia since December 1978. And I like and admire Dick, and I was sorry that to see that he wrote that because the evidence was the contrary. J'étais désolée de voir ce qu'il a écrit ici parce que les preuves montraient tout à fait l'inverse. If you allow me, I'll read a few, just two or three passages from J'aimerais that article, lire quelques passages more, de cet article to know more specifically what he is saying. Pour savoir ce qu'il disait plus précisément. The title of the article, I'm not sure if that is coming from him. Le titre, je ne sais pas s'il est de lui. Pol Pot
était Pol Pot. Brutal, yes, brutal, but no mass murderer. Oui, mais pas criminel. And he opens this article by saying the following. Blind hatred of Pol Pot and the Khmer Rouge is pushing the US towards policy changes that could well contribute to the ultimate destruction of Cambodia as an independent society through conquest by Vietnam. Du Cambodge en tant que société indépendante par la conquête du Vietnam. He then, I'll skip a few paragraphs. He then moves on to say, and I quote again, before we abandon the opposition coalition, we should take another look at the man we love to hate. At the conventional wisdom, the Pol Pot and the Khmer Rouge are irrational fanatics who practice deliberate genocide, slaughtered more than 1 million Cambodians, and wrecked the Cambodian society and economy. The evidence for these fixed beliefs consists mainly of pertinent, though statistically inconclusive, anecdotes and extrapolation from accounts of mass executions in a few villages. It comes mostly from those with an interest in blackening the name of the Khmer Rouge, from Cambodian refugees, largely the middle and upper class victims of the Pol Pot revolution, and from the Vietnamese who long ago annexed much of Cambodia and now covet the rest. Ce sont les Cambodgiens réfugiés, les victimes de la classe moyenne de la révolution de Pol Pot, et également les Vietnamiens. Excuse me, what would be your reaction on these two paragraphs? Question, qu'en pensez-vous? That his ideas are entirely out of date. Pour moi, that idée he doesn't even mention dépassé. All of the archives that were uncovered after il ne the Vietnamese invasion. That après l'invasion this was vietnamienne. There was no question. The reason we're having this trial right now is the evidence is overwhelming. S'il y a un procès and, actuelle, c'est bien as I said, I really like Dick and I admire him, and I'm flagrant. Very sorry to see he wrote that because it's the evidence is this was an incompetent, murderous regime. Ce genre de chose, puisque le régime a été criminel. Thank you. Then he moves on, and then that's my last question. Quote from this specific article. Je poursuis la lecture de cet article. He moves on to a very brief summary of his bigger report from 1979, January. And if you allow me, I quote again. So he talks about his visit, and he says, still, the information I had received in advance was mostly misleading. Observing many hundreds of Cambodians, too many I judged to have been arranged for my benefit, I saw a generally healthy population, a normal demographic mix of men, women and children, including babies in arms, and yes, many nursing mothers. I looked in vain for distended bellies and dull brownish hair. Working hours, 7 a.m. to 7 p.m., were not unreasonable for the harvest season. A natural rubber factory, a pharmaceutical plant, and a textile mill appeared to be operating efficiently. Rice exports had resumed on a modest scale, as confirmed later by the U.S. Department of Agriculture. I'll move on to more details in his report, but that is his 1990 sort of very short summary of his visit. What would be your initial reaction to this paragraph in his article? That this is what we call single source reporting, that when you go simply to a country and you allow government officials to make your itinerary, to define who you talk to and who you do not talk to, and do not allow you any freedom of movement at all, that is single sourcing, and that's not complete journalism, and I disagree, as you know. I would like to put before you a passage from a dissertation written in 1990 by a Dutch academic. Livre rédigé it's a en book 1980. Called The Eyes of the Pineapple. Il s'agit d'un livre intitulé The Eyes of the Pineapple, Les yeux de l'ananas. Mr. President, it's
the E3 number, or no, sorry, the E3 07. E3 07.2.17 is the relevant number, and the ERN, that I'm specifically referring to is 01002473. I'm afraid there is no French or Khmer yet. Malheureusement, il n'y a pas de version Khmer ni de version française pour l'instant. It's a footnote on page 352. On trouve une note de bas de page. And in this footnote, he explains. Et dans cette note de bas de page, l'auteur explique de quelle façon il a analysé les rapports des visiteurs, des délégations qui se sont rendus au Cambodge en 1978. Je vous donne lecture de cette note de bas de page. I will quote Dutman. In my opinion, Dutman, the most critically insightful of the visitors, extensively. And then he goes on to say, see also Becker 79, voir également Vito, Becker, 79, Vito 78, Stanich 78, etc. etc. 78, pardon, etc. What would be your reaction to this scholar's j'aimerais savoir categorizing, as you will, ce que vous pensez de reporting catégorie in relation to the other reporting, including yourself. Puisqu'elle vous concerne en partie. Well, as much as I don't like to be drawn, I'm not going to criticize Dudman as a human being, but my book is quoted extensively, and I'm quite confident that my reporting has been quoted extensively. Je pense que mon rapport a été très largement repris. Thank you. I would like now to question. Merci. President Council Coupé, please wait, and Judge Lavergne, you have the floor. Veuillez attendre, le juge Lavergne a la parole. Yes, Council Coupé, unless I'm mistaken, I didn't hear who is the author of the book that you're referring to. The author, Judge Lavergne, is réponse. A scholar called Rule Burglar. L'auteur Rule était Rule Burglar. Burglar. Rule Burglar. And his book is titled The Eyes of the Pineapple. Son livre est intitulé The Eyes of the Pineapple. It's published les yeux at the University de of Nijmegen. Il a été publié à l'université de par l'université de Nijmegen. Ms. Becker, I would like now to move on Becker, to the report that Richard Dutman actually wrote right after his visit to DK together with you and Malcolm Caldwell. These are more detailed quotes and I would read a few and I would like to have je vais citer quelques passages if that's all right et j'aimerais with you. Que vous me fassiez part de vos commentaires par rapport à ces différents passages. I would like to start Ms. Becker with Becker, and I'm referring excuse me Mr. President to E3/3290 the English ERN is en anglais 004 192 07. There are no French or Khmer ERNs. Et il n'y a pas de ERN ni en français ni en Khmer. My first quote is on page 3 on in the first page 3 column de ce document pour commencer, première colonne. And it reads as follows. Page 3. While the visit amounted to la a conducted tour with strict limits on conversations with ordinary Cambodians and no opportunity to speak with any but a few top government officials, there was plenty of opportunity for observation in tours of 11 of the 19 provinces. A little further on that same page, he says, and I quote, despite the restrictions the Cambodians placed on our activities, we were able to gather significant information about the new Cambodia for the first time since the communist victory of almost 4 years ago. Depuis la victoire des communistes près de 4 ans auparavant, et ce donc pour la première fois. Would you agree with that observation? Que pensez-vous de ces remarques? Êtes-vous d'accord? I agree that we were heavily restricted.
Je suis d'accord que beaucoup de restrictions nous ont été imposées. I know I disagree on what he considers opportunities for observations. We were, as I said, we went through a lot of provinces, but we were stuck in the car most of the time or in boats. Beaucoup de provinces, mais souvent nous avons dû rester à bord de notre voiture. That's enough. Voilà. On this specific topic, did you ever speak to him afterwards when he published En avez-vous parlé avec lui par la suite lorsqu'il a publié cet article? Not only did we speak réponse, to each other, we debated each other regularly ensemble, on television. Nous en avons débattu également à la télévision à plusieurs reprises. Was that in 1979? Question en 79. I'll move on to a next quote. Je poursuis. That is a page later, ERN 004-19208, same document. He says, at the same time, the physical condition of life may well have improved for many peasants and former urban workers, possibly for the vast majority of the population as the regime claimed. He goes on to write, the new communist Cambodia became one huge work camp, but its people clearly were not being worked to death and starved to death as foreign critics Dans le nouveau often Cambodge communiste, personne ne devait travailler, mourir de faim. What I found in 2 weeks of touring Pol Pot's Cambodia, under strict government supervision, but with good opportunity for observation, was a regimented life of hard work for most Cambodians. Ce qui se passait pour la plupart des Cambodgiens. However, by much improved housing, regular issue of clothing, and an assurance of apparently adequate food. Les logements sont laissés être améliorés, les conditions de vie également, grim picture painted by the thousands of refugees who couldn't take the new order and fled to Thailand or Vietnam. Qui ne pouvaient supporter le nouvel ordre et avaient dû fuir Workers vers la Thaïlande ou le Vietnam. Appeared to be operating under their own direction. There was no sign les of government cadres giving orders or armed guards enforcing the working hours, although individuals seemed to know what was expected. That would be sort of the first set of quotes from his report January 79. Would you be willing to comment on these observations? Avez-vous des commentaires par rapport à ces différentes remarques? Yes. The major disagreement between Richard Dudman and I was that he did not know Cambodia before. So when he made statements, this is improved housing, this is better clothing, he's comparing it to nothing. He had been in Cambodia once before when he was captured by Vietnam. By the Vietnamese soldiers. He had not been to Cambodia before. So we regularly had discussions as I all through that Richard, this is not improved. Je lui ai dit, Richard, you had to know this is not at all. We just went to Pas a couple tout. Of model places. Nous sommes rendus what dans you des see modèles, is you know, Potemkin Village, and even that is not improved. And we did see armed guards. We were stopped. Every time we tried to do something, we were stopped and often by armed guards. So, disagreement. Par des gardes armés, précisément, dont je ne suis pas du tout d'accord. Then I move on with some more quotes. The next page, Bien, Mr. President, question, ERN 004-19209. And I quote again. At 11 a.m., the midday break began, and the farm workers headed for lunch at one of the huge new communal dining halls. Afterward, many could be seen relaxing or taking naps in hammocks, slung under the houses on stilts. Work resumed at 1 p.m. There could be no doubt that quitting time was 5 p.m. Wherever we were in the country, men, women and children began filing out of the paddies at that hour to bathe in an irrigation canal, wash clothes or tend household vegetable plots, and then head for the dining hall once more. Officials said the harvest sometimes required night work, too, when the moon was full, but we saw no work in the fields after dark. Mais a little further on that same page, one of Cambodia's biggest achievements in these 3+ years was its housing program. And he goes on to speak about the Et housing ensuite program. Il parle du programme de logement.
And then on the same page again, Ms. Becker, he says, and I quote, I saw no evidence of starvation, however. My observation of hundreds of ordinary Cambodians suggested that they got an adequate diet, if a plain one. Disregarding such stage setting, the stage setting that you spoke about as well, I could tell the state of nutrition by the common sight of playful small children jouer, sometimes running about naked in dooryards in the hot tropical sunshine, with none of the listlessness of protruding bellies that bespeak starvation or malnutrition. I saw many pregnant and nursing women who appeared to be in good health. The sight seemed to refute reports by some refugees that life is so austere that most women have become barren and mother's milk had gone dry. And finally, Mrs. Becker, the next page, 00419210, the ERN. US specialists have acknowledged that the Cambodian claim of reviving rice production to the point of resuming export would, if true, be a spectacular achievement. Again, my question would be to you if you would like to comment on alors j'aimerais savoir si vous avez des commentaires à faire concernant ce que je viens de lire. We were never allowed after dark. We were often weren't around after 5 p.m. We couldn't make those observations. The housing, I'm not sure what he's talking about. The house we saw a couple of few houses on stilts, the new ones, but the housing was not as good as what it was before. The hundreds we saw doesn't begin to reflect the millions, and as I say, we already knew about rice exports because it was required. We saw that we actually saw the ships, so that does not in all diminish what I said, that we did not see proof of any of that. Ces affirmations ne diminuent en rien ce que je vous ai dit plus tôt, à savoir qu'il n'y a pas de preuve concrète de cela, c'est trop étroit. Maître Cope, je passe au sujet suivant. Mais je reste assez perplexe. Richard Dutman was already covering the Cuban Revolution and the assassination of John F. Kennedy. He was a very, very experienced journalist. C'était quand même un journaliste aguerri. There seemed to be substantial differences between his observations and your observations. You said that you had debates. Vous avez dit que vous en avez débattu en 79, vous en avez discuté. Were you able to establish why avez-vous pu there are such discrepancies in your observations? Trouver l'origine de ces divergences d'opinion? Yes, exactly what I said. He oui, did not know Cambodia before, and I did. Il ne connaissait and pas le subsequently, he did not moi, want to go oui. back to Donc, Cambodia. Par conséquent, il n'a pas voulu retourner and, après. It's just simply, it's not the first time this has happened. Ce n'est pas la première fois que ce genre I, de choses arrive. I understand arrive. Your answer, but Maître Cope, observing j'ai bien compris votre réponse, if mais children are malnourished or que des generally sont are mal looking nourris, unhealthy or that apparaissent être en mauvaise santé. These are observations santé. That don't need any ce prior sont des observations qui ne visit to Cambodia or any prior knowledge Cambodge, of Cambodia. Would you agree ne requiert with pas que l'on connaisse le Cambodge avant d'y venir. Est-ce que vous en êtes d'accord? We did not see evidence réponse. That there were no malnourished nous children in Cambodia. Pas we in fact saw and we took pictures of children who were very thin and we you couldn't tell. We weren't close enough to be able to see on nourishment or not nourishment. So nous avons pris des clichés, we just didn't nous avons vu see that. Que les pas très bien nourris. On a tout simplement pas vu des enfants bien nourris. Very well. I might come back to that point. I would like to move on. Très bien, j'avance. Je reviendrai peut-être sur ce point plus tard. Mentioned Douglas Pike, vous nous avez the parlé that de Douglas Pike. Before Congress et vous in avez parlé October du 78. Rapport qu'il a écrit pour le Congrès en octobre 78. And with this report in hand, I'm actually moving to my next topic, and that would be. Je vais passer the au sujet suivant Vietnam, que je souhaite Vietnam, aborder, à savoir le rôle du Vietnam, et je vais me baser sur ce document. Asia.
donc le rôle du Vietnam de façon générale dans le groupe HCR démocratique et en Asie du Sud-Est. He wrote this report at the request, as I understand. Ce rapport à la demande, si j'ai bien compris, Congress, du Congrès. It seems that he is il semblerait reflecting the position and the views of the State Department qu'il porte les points de vue des États à cette époque-là. C'est un rapport très intéressant, je dois dire. L'une des choses qu'il dit en guise de conclusion, c'est la chose suivante. J'aimerais en donner lecture. Je vais vous demander votre réaction, Monsieur le Président. Il s'agit du document E3/2370. I'm referring to, et je vais citer la page English ERN 00187396, et il semble que la traduction n'existe qu'en français. French, le français ERN 003447447. It's just a few of the conclusions that he is making. Il s'agit là de quelques conclusions qu'il formule. The first conclusion is the following, and I quote. Première conclusion. I quote Douglas Pike. Et je cite. Vietnamese communists. Les communistes vietnamiens considèrent depuis longtemps la fédération indochinoise comme la configuration politique appropriée qui convient à la péninsule. Par nécessité, cette configuration requerrait d'obtenir l'accord du Cambodge et du Laos, ou du moins de trouver des dirigeants dans les deux pays prêts à se laisser convaincre par l'idée. In creating a federation of Indochina, the Vietnamese les Vietnamiens ne sont pas pressés de créer une fédération indochinoise. That's the first part of his conclusions. C'est la première partie de ses conclusions. Of the translation. Je vais lire plus lentement pour que l'interprétation puisse suivre. Deuxièmement, the present il border dit war, which is actually internecine, internecine, l'actuelle guerre frontalière, qui est en fait un conflit communiste interne, fait rage depuis au moins 1970. Aucune des parties ne peut être condamnée comme l'instigatrice de cette guerre. Aucune n'en est simplement la victime. He goes on then to say, et puis in il his conclusions, and I quote again, Cambodian behavior in the war is le comportement not as cambodgien durant as cette guerre n'est pas aussi irrationnel qu'il paraît. There is a logic both to Cambodian strategy and rhetoric, la stratégie et la rhétorique cambodgienne revêtent une certaine logique, en particulier lorsque l'on les replace dans le contexte de l'histoire cambodgienne. And the last part of his conclusion I would et dernière like to put, partie de ses conclusions is the following, and I quote, je cite, the most likely future of the war appears la plus probable as de cette guerre semble actuellement être that is, the debilitating inconclusive rise non and déterminée, fall in the level of c'est-à-dire une alternance indécise the entre intensification et affaiblissement des combats. Cambodia firmly la deuxième issue turned into la plus probable, state, la transformation attractive prospect for Vietnam, du Cambodge en état client est une perspective attrayante pour le Vietnam, mais présentant de nombreux dangers. I apologize, these are many quotes from his conclusions at fin once. De citation. Voilà donc beaucoup de citations on the matter, I'm sure you'll be able que to, je mentionne put them all together and give your reaction. En même temps, mais étant donné que conclusions. Vous êtes experte, j'imagine que vous n'aurez aucune peine à formuler votre avis au sujet de ces conclusions. The President, hold on, expert. Mr. Co-Prosecutor, you may proceed. Your Honor, in the introduction to Mr. Coppe's question, he made certain representations about this document, and he said it reflected the views of the United States Department of State. That clearly is incorrect, and neither the witness, Your Honor, or the public should be misled about that. If one looks at the foreword, it indicates this study was prepared by Douglas Pike, who was a Foreign Service officer on detail as a scholar in residence to another organization, the Congressional Research Service. The findings expressed are those of Mr. Pike and do not necessarily reflect the views of the members of the Committee of International Relations. So this is not a document reflecting the views of the Department of State.
présente and du point de vue du département d'État. Looking at it, le document, lorsqu'on l'étudie, in the key findings plus profondément, of Mr. Pike on Vietnam and Cambodia, page 6, page 6, cites two sources, on voit que deux sources Hugh Sampan and an official document from the government archives of the Democratic Kampuchea. De Hugh Sampan et so those were the sources Mr. Pike used for this report. Voilà donc les sources qui ont été utilisées par Douglas Pike dans son rapport. Mr. Pike is a very senior analyst, je crois comprendre que Monsieur Pike est un analyste très chevronné qui a travaillé pour le département d'État. Il est aussi professeur d'histoire. Il enseigne à Berkeley et maintenant il est décédé. The quote that I just heard refers la citation to the, que je viens not de faire the opinion or views of ne présente Congress. Pas le point de vue du Congrès. He represents the State Department, yes il or no. Ne dit anyway, pas si oui ou non il représente expert, le département sure d'État. Mais le fait est que nous parlons ici avec une experte et je suis certaine que Mme Baker n'aura aucune peine pour répondre à mes questions. Thank you. The back and forth about Indo-Chinese merci. Federation and Vietnamese intentions is rich and it's old and it continues today. Douglas Pike, when he was in the Foreign Service, Douglas was one of the key architects of the theory of the domino theory that propelled the United States to war, that in fact had Vietnam not invading Cambodia, but invading non-communist Southeast Asia. So this is a very rich and constant history. I, of course, write extensively about it and show the different seams in it. So it's, there's not anything one way or the other. And the predictions of the State Department at that point, because I did go to them, was not either of the things that Mr. Pike mentions in his own capacity. But the State Department told me and Mr. Dudman just before we left that they suspected the Vietnamese would stop at the East Bank and then retreat simply to tell the Cambodians to stop. The latest things on the Indo-Chinese Federation are done in a Pulitzer Prize-winning book called Embers of War, which shows the Chinese and the Soviet communist interest in the Indo-China Federation, that they would rather have it, and they would rather have Ho Chi Minh do that in order that they wouldn't have to deal with all three of them. So it's rich and it continues, and there are more and more documents coming out. À s'immiscer. Il y a également beaucoup d'autres documents. Maître Koppe, j'arrive au point de vue, à la perspective soviétique et chinoise. Ma question est la suivante. Dois-je comprendre que vous n'êtes pas nécessairement d'accord avec les conclusions que je viens de vous lire? You read a lot. He predicted a couple of things. One, two, part A, part B, part C, that the one thing that stuck out was that, Cambodia is not irrational, and the presumption being that there is rationality on either side. And we all have pointed out that this border war has been going on since 1970. I mean, there's nothing new in what he said. Depuis 1970, et il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il explique ici. You're right, there are many conclusions there. Maître Koppe, effectivement, vous avez raison, je vous ai donné lecture de bon nombre de conclusions. Alors, procédons par étapes. Ici, il est dit que le Vietnam considère que, depuis longtemps, que la fédération indochinoise est la meilleure alternative, qui sied le mieux à la région. Est-ce que cette conclusion, à votre avis, est une bonne conclusion ou est une conclusion erronée? Oh, I don't think that's a static idea at all, and I'm not sure that he could even say it then. No one seriously believed that the Vietnamese were fighting their war in order to take over Cambodia. At that point, the ultimate is Indo-Chinese Federation. I don't think you can say that now. Dire que l'alternative était la fédération indo-chinoise, eh bien aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse le dire. If you rightfully say that Douglas Pike was instrumental, mais si vous dites que Douglas Pike a joué un rôle pour élaborer la théorie du domino par rapport à l'implication des États-Unis. Well, that's an unknowing liberal, but he was somebody with possibly conservative views. And
C'était quelqu'un qui avait un point de vue conservateur. Alors je m'interroge, pourquoi a-t-il écrit ceci en 1978, fort de toutes ses connaissances en matière de politique vietnamienne du début des années 70? Pourquoi aurait-il tort alors que vous auriez raison? That he thinks that he didn't prove it. I'm saying he didn't prove it. Moi, ce que je dis, c'est qu'il n'a rien prouvé. Et il ne l'a pas prouvé. Well, les universitaires ou les érudits qui sont en mesure de le prouver. High prices for uncovering material because it's all, it seems, buried in the archives. Accorde beaucoup d'importance à toute preuve qui permettrait de découvrir le fond de la chose, particulièrement des archives au Vietnam. Mais ce qui est important, Maître Coppe s'interrompt. Le président, Judge Fenn, you may proceed. Le président donne la parole à la juge Fenn. If you don't testify but ask questions. Juge Fenn, ici l'expert. I agree, but. Maître Coppe, veuillez poser des questions et ne pas déposer vous-même. Maître Coppe, je suis tout à fait d'accord, mais parfois il est assez difficile de s'en empêcher. What about the other conclusions of Douglas Pike? Maître Coppe poursuit. Qu'en est-il des autres conclusions de Douglas Pike? The question whether par exemple, est-ce que le Cambodge, est-ce que le Kampuchea démocratique ont adopté un document irrationnel? Oh, I think the war proved that their foreign policy did not make sense. I think they should not have instigated that. And the whole Pol Pot interview I had with Richard Dudman was the model for irrationality, the idea that he actually built his foreign policy, his war policy, on the notion that Warsaw Pact was going to join Vietnam and NATO was going to join Cambodia. That's a model of irrationality. Choisir le camp des Vietnamiens, tandis que l'OTAN allait choisir le camp du Cambodge. Maître Coppe, j'allais y venir justement, mais puisque vous en parlez, est-ce que le Vietnam a military aid agreement with the Soviet Union, a conclu un accord militaire avec les Soviétiques? N'y avait-il pas des conseillers militaires soviétiques présents au Vietnam avant l'invasion du Cambodge, peut-être même éventuellement est-allemands? Yes, in fact, that I mentioned that the Soviet-Vietnam agreement was one of the big temperature risers for the Sino-Soviet split. There's no question that agreement was critical. And yes, there were Soviet advisors in Vietnam and Chinese advisors in DK. But the idea that we'd see Warsaw Pact troops and NATO troops, au Cambodge, mais d'aller jusqu'au pacte de Varsovie et aux troupes de l'OTAN, pour parler justement de ce que vous venez de dire et dont on parlait hier, pourriez-vous m'indiquer un document, particulièrement le livre noir du Kampuchea démocratique ou alors un rapport du FIBIS qui indiquerait que Pol Pot penserait que l'OTAN les rejoindrait dans leur lutte? Why didn't you mention this? Et autre question, pourquoi ne l'avez-vous pas dit dans votre compte-rendu? Pourquoi d'ailleurs Dudman ne l'a pas non plus mentionné? First of all, it was so irrational that it was taken out of my report. I have no idea. C'était the editors took it out. You have the recording of Pol Pot saying that. Vous I gave it to the trial. I can't answer for Richard Dudman. Par contre, je ne peux pas me prononcer au nom de Richard Dudman. What about publications, the black paper? Maître Coppe, et qu'en est-il des autres publications du livre noir, par exemple? That was by the foreign ministry given out before we went to see Pol Pot. Cela you'll have to ask DK on that one. Par le ministre des Affaires étrangères avant que nous allions voir Pol Pot. Il faut demander au Kampuchea démocratique. Maître Coppe, j'ai vérifié et je n'ai rien vu. Est-il possible que cette question de l'OTAN se soit un peu, entre guillemets, perdue dans la traduction? No, réponse. Did you hear the? Non. Did you listen to the recording? Avez-vous écouté l'enregistrement? Je l'ai donné à la chambre.
No, but I'm saying not lost in translation, but maybe the translator who was translating it didn't understand it properly. Peut-être que le traducteur n'a pas compris, comme ça arrive ici régulièrement. Peut-être que cela vous a été transmis de. That's what I mean with lost in translation. Que le traducteur ne vous a pas restitué les bons mots et que ce serait passé à la trappe. The translation was done by Kiet Chun with Tuan Prasit and Ying Suri helping them. I don't think that would have been a mistake with those people. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir eu d'erreur avec ces personnes et Pol Pot. Of course, I'm not here to speculate as to what Pol Pot possibly said. Naturellement, je ne suis pas là pour spéculer sur ce qu'aurait pu éventuellement dire Pol Pot. Mais ne pensez-vous pas que le conflit entre le Kampuchea démocratique et le Vietnam était devenu la pièce centrale de l'échiquier des relations entre les États-Unis et l'Union soviétique? Not NATO, it was US-Chinese relations that were critical on this issue. Europe, NATO, no. This was US-China, and that was very critical. And you see this particularly around Tiananmen Square. Sur la place de Tiananmen. As you get closer and closer to that divide. Plus vous vous rapprochez, à mesure que l'on se rapproche de ce schisme. Mais c'était en 1989, dit Maître Koppe. Réponse, oui. I think your answer got lost. Maître Koppe, on n'a pas entendu votre réponse. You asked if this affected US NATO, and I said no, this was much more important for US Chinese. And it continues all the way up through Tiananmen Square. And you can see that US policy towards Cambodia is very much determined by US Chinese policy. NATO, no. Because of time, I'll move on to the other conclusion. Faute de temps, je passe à l'autre conclusion concernant la guerre entre le Vietnam et le Cambodge. Started already in 1970, both ça a commencé en 70 et aucune partie n'agit nécessairement de façon irrationnelle. D'accord ou pas d'accord? In 1970, the major change on the border was when the United States supported the coup against Sihanouk. The troops, the Vietnamese, the communist Vietnamese troops, both from the north and from the south, who had been confined to the eastern zone, they spread across the country, and the Vietnamese communist troops took the fight against the Lon Nol government. So that the Khmer Rouge forces could build, could arm, and so on and so forth, so they could be ready to carry the fight on their own. That was the major change in Cambodian-Vietnamese military relations. So to call that a border war, no. It was very much the first, in fact, it was very surprising to many people that the Vietnamese communists picked up the slack. They won Chen La 1 campaign, they won the Chen La 2 campaign, and that's all the way across this country. Question. J'aimerais approfondir, mais il me faut passer à la suite. On a parlé du point de vue américain. Vietnamese ambitions, sur les ambitions vietnamiennes, vous avez dit que vous ne croyez pas à une fédération indo-chinoise. J'aimerais citer un extrait des archives soviétiques, un ouvrage déjà abordé, livre de Steve Morris, intitulé « Pourquoi le Vietnam a envahi le Cambodge ?» Mrs. Becker, I would like to take you to page 66 page 66 de ce livre, ERN E307/5.2.4. À nouveau, ça n'existe qu'en anglais. 01001733. And Morris is quoting cite l'ambassadeur soviétique au Nord-Vietnam. Read to you as follows. Je vais vous lire. I will do it slowly so that translation can keep up. Et ce lentement
aux fins de l'interprétation. Mais cela ne voulait pas dire qu'Hanoï avait complètement abandonné son désir d'une fédération indochinoise. En février 1973, l'ambassadeur soviétique au Nord-Vietnam a énoncé ce qu'il considérait comme étant les objectifs d'Hanoï. Ensuite, on cite ici l'ambassadeur. Le programme des camarades vietnamiens pour l'Indochine était de remplacer les régimes réactionnaires de Saigon, Vientiane et Phnom Penh par des régimes progressistes. Et plus tard, quand tout le Vietnam, mais aussi le Laos et le Cambodge se lanceraient sur la route pour le socialisme, de passer à la création d'une fédération de pays indochinois. Cette stratégie du Parti travailleur vietnamien découle du programme de l'ancien Parti communiste indochinois. Voici ma question. Apparemment, en 1973, les soviétiques eux-mêmes continuaient de penser que la politique vietnamienne visait à créer une fédération indochinoise. Quelle est votre réaction? Oh, I'm not surprised at all. As I said, it was a moving target, and depending on the period, it's whether or not different people and different parties saw that. Now, if you remember correctly, the Soviet Union had very poor relations with both sides of the Cambodian War. The Soviet kept their embassy in Phnom Penh throughout the war, and the first thing that the Khmer Rouge did was trash the Soviets, who thought they would be treated as allies. So It's a very tricky thing, but I'm not at all surprised. And you'll find references to this from very different periods. But as I said, the most recent Soviet archive work, again, I'll repeat in the book Embers of War, traces one, the Soviets having very little interest in Vietnam, Cambodia, or Laos, and not wanting to give much money. They were much more interested in Europe, and therefore very happy to have an Indochina Federation, kind of Indo-Chinese party. Vietnam, and Cambodge, it was Ho Chi Minh who fought with them to have a separate Vietnam party. C'est Ho Chi Minh qui s'est battu avec les Soviétiques pour avoir un parti vietnamien distinct. Question, je reviendrai à Ho Chi Minh. Peut-être ai-je mal compris, mais il me semble que Douglas Pike a bien décrit la politique vietnamienne par rapport à ce que dit l'ambassadeur soviétique au sujet des ambitions vietnamiennes. Et donc, d'une part, il y a ce que dit Douglas Pike, d'autre part, ce que dit l'ambassadeur soviétique, et je ne vois pas vraiment de contradiction entre les deux. L'accusation interrompt. Le président interrompt. Madame l'experte, veuillez attendre. La parole est à l'accusation. L'accusation. Une fois de plus, on a l'impression que la défense ne pose pas de questions, mais présente plutôt son propre avis. Maître Koppe, je demande simplement si les perspectives soviétiques cadraient avec l'observation de Douglas Pike. The interview with the Soviet ambassador is very interesting. Douglas Pike has his views. Maybe the Soviet ambassador and Douglas Pike agree. You're absolutely right. Sont d'accord, vous avez raison. But I don't know if we can call that American policy and Vietnamese policy and Soviet policy. Dire pour autant qu'il s'agisse d'une politique vietnamienne d'une part, américaine d'autre part, soviétique, etc. Question. Passons au point de vue des Chinois au sujet de l'ambition vietnamienne. Et ici, je vous renvoie au rapport précité de Zheng Biao, E307-5.2.1, je n'ai pas vu de citation de ce livre dans le vôtre. Il y a eu
En janvier 1979, une réunion de très haut niveau. C'était le comité central, le comité permanent. En Chine, une réunion secrète. Jiang Biao était le militaire de plus haut rang en Chine et il faisait rapport notamment à Deng Xiaoping. Ce n'est pas une version publique du point de vue chinois, mais la perception de la Chine elle-même sur le Vietnam en particulier. Vous le savez, Deng Xiaoping avait déjà dit que les Vietnamiens étaient les délinquants de l'Est. Jiang Biao semble dire la même chose, et je vais citer ERN 01001621. Pourquoi le Vietnam n'a pas envahi le Cambodge? When the diplomatic relations them were broken off last year. Why has it waited until les relations diplomatiques entre les deux ont été rompues l'année dernière? Pourquoi a-t-il attendu jusqu'à maintenant pour agresser le Cambodge? En fait, dès la libération du Sud-Vietnam, le Vietnam avait des intentions malveillantes. La poignée des 20 en guerre à l'instigation des sociaux impérialistes en coulisses attendait leur heure pour empiéter sur le Cambodge en l'attirant dans la soi-disant alliance indo-chinoise pour en faire un tremplin et une base du socialo-impérialisme dans sa tentative de réaliser son plan stratégique mondial et accroître son influence en Asie du Sud-Est. Voici ma question. Cet avis de la Chine concernant les ambitions vietnamiennes semble cadrer avec les conclusions de Douglas Pike présentées au Congrès américain et aussi avec le point de vue soviétique concernant la politique vietnamienne. D'accord? Oh, réponse. Le président interrompt. Veuillez patienter, madame. Juge Fentz, allez-y. Vous avez présenté l'avis d'une personne comme étant l'avis du pays concerné. Cette pratique consiste à évaluer un élément de preuve que vous produisez. Veuillez mettre fin à ce procédé. Maître Koppe, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Nous parlons de la politique étrangère vietnamienne. Je présente l'avis de politique étrangère des États-Unis, de la Chine, de l'Union soviétique. Je ne fais que lire des documents qui montrent leur point de vue sur le Vietnam. Et je demande à l'experte de nous donner son avis. Je fais ce que je suis censé faire. La juge Fentz, vous présentez les opinions d'individus et non pas de pays. Est-ce que ces avis cadrent avec les politiques des pays en question? Ça reste à voir. C'est une question d'emploi des termes. Maître Koppe, concernant Douglas Pike, effectivement, il pourrait y avoir une divergence, mais pour ce document-ci, de toute évidence, il s'agit bien du point de vue politique chinois. Aucun doute là-dessus. Si je me trompe, l'experte pourra assurément me corriger. Mais si je peux me permettre, Maître Koppe, s'agit-il d'un document officiel chinois? A-t-il été confirmé par les autorités chinoises? Chinese document? Apparemment, c'est un document qui aurait été obtenu. On ne sait pas dans quelles circonstances par les services secrets taïwanais. This document was obtained, and we don't know under what circumstances it was obtained. Pour être sincère, je suis un peu déçu de voir qu'après 7 ans, on n'a pas encore parlé de la pertinence de Deng Biao. Tous les experts font référence à cet important rapport. Sans aucun doute, il s'agit du point de vue de la Chine. Ceci exprime la politique chinoise. Si je me trompe, l'experte pourra me corriger. Aucun doute là-dessus. La juge Fentz, la Chambre s'est prononcée. Veuillez vous conformer à nos injonctions. Nous ne vous demandons rien d'autre à ce stade. Fine. Maître Koppen, soit. Mrs. Becker, Madame Becker, yes, I love to. Moi aussi, ça me fait rire. Able to tell pourriez-vous nous dire quelle était la politique chinoise
le point de vue de la Chine, en tout cas, concernant la politique vietnamienne envers le Cambodge en général. L'expert. That totally reflects the public view. In fact, you'll see it in my book. The Chinese definitely accused Vietnam of wanting an Indo-Chinese federation, and that's one of the reasons they gave when they invaded Vietnam from the Chinese border and taught Vietnam a lesson with invasion. That's no secret. And they very much use the Vietnamese desire for an Indo-Chinese federation to. To say very publicly, it's a very public point that they considered Vietnam going after an Indo-Chinese federation. That's not a secret. Considérer que le Vietnamien voulait une fédération indochinoise, ce n'est pas un secret. Maître Coppe, donc je pense que nous sommes d'accord. L'expert, oui. Maître Coppe, merci pour la réponse. Le président interrompt. President. Maître Coppe, le moment est venu d'observer une courte pause. Les débats reprendront à 15h. And court officer, please assist vous occuper de l'experte pendant la pause et la ramener dans le prétoire pour la reprise des débats à 15h. Suspension de l'audience.